la part d'Icta, juste avant que le décompte se freeze time. Vitality contre Gryon, troisième carte, une place en deuxième phase de ce Major qui se joue pour connaître donc le huitième et dernier qualifié pour la semaine 2. 3,30 la cote de Greyhound encore sur Parion eSports. Il y a Ouais, que voilà. cette troisième carte. Je parierais pas mon chien. Ok, prise banane. Il y a une petite réception à la Tailou. Le totem et là, ils sont aveuglés. Et l'un et le deux. Ça, c'est fait. Et on repart avec les scalps tant espérés. C'est très bien fait, à tel point qu'on se demande si c'est pas anti-strat. En tout cas, NBK fait croquer les copains, ouais. Les Malta avancent, comme quoi la préparation est franchement là pour Vitality, malgré le peu de Ah, il y a matière. Apex. Apex, quel sang-froid, pas vraiment, hein. Il n'a pas ajusté la tête. Siwoo ajuste la tête de Malta, on enchaîne directement sur Arcas, qui se défend comme il le peut. Et Arcas qui prend le temps de recharger, Arcas qui perd son coéquipier, 1v3 pour le Mongol, qui enfin est abattu. Allez, ça va, c'est bien, c'était un bon pistolet, on va dire. J'espère juste que Apex, on va pas le perdre, quoi, individuellement, c'est surtout ça. Retiens ce qui s'est passé, Banane. Je sais qu'il sera là pour ses coéquipiers, je sais qu'il sera là mentalement, en tout cas, à chaque fois qu'il faudra du soutien pour un de ses mates. C'est le kill le plus dur. Mais c'est surtout pour lui, quoi. Pistole de dos sur un Glock qui saute partout. Il est toujours dur à digérer, on va dire. Dur à digérer, dur à mettre. 1-0. Les SMG sont de sortie. MP5 pour NBK. Écho sèche en face. Ouais. C'est l'occasion rêvée de les rentabiliser. Ah, ils vont courir sur Apex peut-être. D'abord NBK, puis Apex. Allez, on se fait bien. Un petit perfect pour l'argent. Voilà. Triplé MP5, ça fait beaucoup d'argent, ça, 1800 en plus. Hop, hop, hop. Les sourires complices. Ça va, c'est détendu quand même. D'un côté de table, oui. Sur les fins de round, ouais. Pas forcément jusqu'au bout de la table. Après, NBK, c'est pas le déconneur par excellence, quoi. Je veux dire, quels que soient les moments. Espérons que le moral soit au beau fixe et que les relations entre les joueurs soient bonnes. On ne sait jamais, et surtout lorsque les résultats sont moyens, on peut parfois voir les esprits s'échauffer. Premier round armé. Surtout côté Gryon, parce que côté Vita, on s'appuie encore sur ses SMG. Une sorte de round bonus, comme on dit, même si c'est pas vraiment un round bonus, hein, sachant que si on perd ses armes, derrière, on peut pas forcément en racheter. Sympa la grenade, ça fait perdre des casques. Quand on a encore des MP9 majoritairement en main, c'est plutôt intéressant. MP5, c'est pas ma came. On a vu beaucoup de joueurs se faire avoir par cette arme. On verra ce que Nathan peut faire avec. Dixté ici qui cherche l'ouverture. Ouais, le MP9 c'est pété, mais ça aussi quand même ses limites. Faut pas croire. C'est toujours à 3 depuis le début du round sur le B. Ouais, on essaye d'overreact un peu, peut-être pour inciter les Greyhounds à se dire, regardez, on est faible sur ce bomb site. On met beaucoup de stuff. Donc on n'est pas serein. Encore un fumier. Exactement. On les pousse vers le B en montrant une faiblesse, tu as raison. Fuis-moi, je te suis. Ça Fuis-moi, je te marche. suis. Et ouais, ça marche. Sauf que Alex était en train de, Apex était en train de repartir et il repart Aïe! définitivement même. Il vide le thé aussi. Ouh, la grenade! Terrible. Ah mais c'est le bon choix au final. La rotation En tardive. effet, contre-rotation de l'attaque, ça traîne chez Ground, donc pas l'air très décidé. Ça manque d'utilitaire, la finition se jouera surtout aux ouvertures plus qu'aux flashs et molotov. Et derrière, il y a pas mal de stuff hein, en face, hein. Incendie à Notamment main des pour incendiaires. Apex. Ça va être chaud. Ouh, RPK qui prend tout dans la charrette. Oh là. NBK qui tient bon. Ouais, c'est dur l'MP5, mais Mais lui, non. C'est il tient. facile. C'est un spécialiste. RK sur le flanc. 8 secondes, 7 secondes. RK qui fait une ouverture. Dexter aussi, mais Dexter qui pas la bombe. Il reste un homme. Apex gagne le temps nécessaire. Bien C'est joué. bon, c'est gagné. C'est exactement les 2 secondes qui suffisaient pour remporter ce round. Alex est loin. Il va quand même récupérer une AK au nez à Allez. la barbe de son adversaire. C'est plutôt pas mal. C'est un très bon round. Ouais. J'ai Surtout vu les moyens du bord, en fait, voilà, c'est surtout c'est ça. ça, Hein. exactement. C'est un très bon round. En plus, il y a des émissions qui sont faites avec pas mal de SMG. On va revenir maintenant sur O Game 4. AK pour Alex. Pas de bombe amorcée chez l'adversaire. On sent que c'est dur. Franchement, cette arme est moyennement fiable. Hein. Je suis assez étonné de ce qu'il a pu faire avec. Surtout sur le premier, Ziwoo un petit peu naïf, mais bon, on l'excusera sur ce round. 3-0, tu l'as dit. L'artillerie lourde cette fois est sortie et en face on s'appuiera sur cette AK à conserver. Quelques pistoles pour accompagner ça, mais bon, c'est pas non plus foufou.
Elle sera pas contestée cette banane par les Vita. Petite pression, mais on la laisse volontiers. Totem en baie, on va mettre le joueur sur la case C3 anti-flash. Et défense standard. Donc c'est bien souvent la réponse en contre-écho. Jeu standard de la défense. Ouais, c'est ça. Rien de spécial. Alors Erkas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dépasse? Oui, mais pas suffisamment. On a repéré l'AK. Fumi flash, une AK. Alors, le choix Greyhound. Le B. Ah, j'imagine, c'est souvent la solution de facilité quand on est un petit peu démuni. La moins exigeante, là où ça peut passer, sur un malentendu. Alex doit être stuff main, pas vraiment. Fumi Alex, main, il a fumi main, ouais. Ouais. Ça y est. Il a raté. Je sais pas si c'est fait exprès, si c'est un pompier. Alex qui tient pour le premier, je crois que c'est un pompier. Apex qui enchaîne. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça fait bon, ça casse surjoue un peu, totalement la dynamique. Bah oui, c'est ça le problème. Il a vraiment surjoué, mais il reste Alex parce que Zivo a été battu. Il faut intervenir. Alex fait encore une élimination. 1v2. Ouais, Dektar qui est pas serein. Du coup, il aura pas le temps de poser cette bombe. Attention à ne pas s'aligner. NBK, le petit coup d'épaule en deux temps pour faire la dernière élimination. Ça tient. On retiendra ça. Il faut prendre les runes les uns après les autres. Sans souffle sur ce genre de carte décisive. Comme on dit. Hein. Des fois, il faut faire fi de l'économie. Et engranger tant qu'on peut. 4-0. Sniper sur Zivo. J'y vois une bonne nouvelle. Il manque un tout petit peu de stuff chez Ground. C'est les conséquences d'avoir conservé une arme pour Aircast. Tout à l'heure. Zivo qu'on place banane pour l'instant, ses coéquipiers sont un peu plus reculés en contre stuff. On laisse Ground prendre la banane, ça veut pas dire que ce sera le cas pour tout le round. Ils sont 3 en B, c'est une navi passive. Vieille strat. Sniper qui est là et puis deux rifles derrière en anti-débordement. Ouais, pour l'instant c'est l'appartement qui est totalement délaissé par les Vita. On se focus d'abord sur ce T pour... Ils prennent pas la banane. C'est un peu étonné. BK qui reprend le T1, information en tout cas, il prend personne. Et BK qui reste au contact. Un peu premier, son coéquipier sera... Ils ont surjoué le T, j'en suis étonné. Pas tout à fait. Pas tout à fait fini. Il arrive au meilleur des moments, on va essayer de traverser justement dans cet incendiaire. Mais pour l'instant il en fait deux. Il poke un petit peu, il y a du low HP en face, il essaie de gagner du temps. Apex qui est en soutien. Le sniper français finira par tomber, mais il aura fait le travail, il aura gagné le temps nécessaire, 2 contre 2. On a beaucoup de stuff en plus du côté des Vita, ça reste largement jouable. Double incendiaire, double fumi, double flash, un kit. Oh. Qu'est-ce qu'ils font? Non c'est bon, il est joué. Alors, le fumigène, faut pas forcément le mettre au contact du pit, mais plutôt dans la plaine. Voilà, exactement ici avec le repère, c'est parfait. À peu près, ouais. Sico, oh, il rate sa balle. Il est blanc, mais c'est Arcas qui prend le relais. Et Apex est battu par Sico. Ah, dommage. Après, le round est quand même très très mal embarqué. Oui. Il y a eu beaucoup de moments d'espoir. Le 2v2. Zivo sur le BP. Je sais pas s'il attend une flash. Je sais pas pourquoi il se relève. Apex qui ose pas y aller. Il fait l'élimination Apex, mais il attend quelqu'un, une coupe contre tank vaut-tu. Et d'une manière générale, le BA3 qui ne dépose pas quelqu'un sur le muret, c'est-à-dire qu'il reprendrait la moitié de la banane et il repartirait ensuite. Ça, plus la défense T qui se maintient, et ça, ça m'a beaucoup étonné. Bah après, c'est la défense T qui a accéléré les choses. Hein. C'est exactement. Eux qui sont allés chercher le décal. Oui, oui. Ils pouvaient temporiser tranquillement, gagner encore de précieuses secondes. Mais LBK, il a surjoué, et c'est un peu ce que je décrivais depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que cet esprit est hyper agressif, un peu nonchalant. Apex qui va se faire entendre là par contre sur son jump. Donc. Mais c'est pas grave, il a un ange gardien derrière lui. Il en a deux même, NBK et Alex. Ils vont pouvoir s'enfuir. C'est un achat forcé, il commence de la meilleure augure. On vole un joueur, une arme. Et la banane doit être reprise. Ça consommera du temps et de l'utilitaire chez les Greyhound. Ou pas, peut-être qu'on en a pas envie d'ailleurs. Tout à fait, et c'est un risque énorme puisqu'ils font face à une 4-1. Aircas qui tente d'intercepter éventuellement des rotations là, autour de cette plaine, derrière ce bomb site, mais pour l'instant pas grand chose. Ah, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un là, au cimetière, mais c'est pas le cas. C'est risqué là. On va voir un Ground qui pourrait repartir en B justement parce qu'ils espèrent une 4-1 et accélérer sur la banane, mais elle serait tenue par NBK et tout son utilitaire. Ils sont un peu coincés. En gros, s'il n'y a pas une compensation au skill là, ils sont mal barrés, Ground.
prend très cher sur le décal votre cul, Alex. Il va se repositionner bombe site. C'est Alex, Apex, pardon, qui va prendre le relais votre cul. Heureusement que c'est du sous-équipement significatif là. Hein. C'est vraiment pas épais. Et Apex est loin au spawn CT, donc c'est pas une 4-1 tout à fait assumée. On va finir donc en feu croisé sur la vodka de couloir. La flash. Zivo qui perd patience. La flash de la reprise banane, on craque. On imaginait reprendre l'info et une finition en B. Derrière, ça peut enchaîner. La double grand bac. Enfin, c'était la double PP, pardon, qui a été totalement annihilée. Mmh. Oh, sur une flash. Une flash de Dexter Banane. C'est ça qui provoque le décal de Zivo? Je crois, ouais. Parce que cette flash, NBK recule directement et Zivo reprend la vodka. D'accord. Bon, ben, bien joué au ground, mais il joue avec le feu. Franchement, il joue beaucoup avec le feu. Hein, parce que la flash reprise banane a quoi, moins de 30 secondes? Ouais, même pas, hein, 25 secondes. C'est chaud Mireille. C'est dommage, il était bien en place. Hein, si ça reste sur ses appuis BP là. Bah ouais, d'autant qu'RPK fait un kill alors que toute son équipe était à terre. Donc il applique comme d'hab son petit théorème avec son P2. Tranquillou. Bon, ok. Echo avec quelques atouts, Benji, on a quand même de quoi faire. Un FAMAS, du stuff, Inaka. C'est pas terminé, c'est pas automatique, ça vaut pas double très simplement pour Round. Faut encore se battre avec ses armes conservées, il y a danger. Quelques AK. Pas de snipe, si, Yanksy, il y a déjà un snipe, pardon, sur Cyclo, je l'avais pas vu. Le problème c'est que le stuff il est sur les joueurs armés donc C'est pas plus mal, ça les poste derrière. Bon ça c'est pas derrière. Non, non, non. Encore une fois une BK qui veut prendre l'initiative, c'est compensé par Apex qui a pu récupérer l'arme. Avec RPK. Bon Alex il fait un pari là, hein. Avec son USP couloir, il prend juste la température et repart. On a une flash, c'est tentant de reprendre le B, de la garder pour reprise sur finition B. Ouais de la garder je pense. Alex, en vrai, avec son USP, c'est pas très utile. Attention à la reprise, banane. Apex, flash en main. Ouais, ils font c'est ce que. Ils font la première option que j'avais décrite. Oh, ils sont pas blonds, mais ça TK quand même. On peut en profiter peut-être, à voir. On a un joueur. D'ailleurs, le pion, c'est difficile comme position, mais pour l'instant, Apex, il faut lui faire confiance. Oh, c'est dur ce petit saut là pour Apex. Oh, il a tellement pas de chance. Ah, c'est bien joué de Greyhound, mais bon. C'est vrai. On va dire manque de réussite, en tout cas de sa part. J'ai cru qu'il resterait passif avec la flash, ils ont fait la première option de reprendre et bon, tant pis. Ça va faire un troisième point et pas d'armes conservées. Normalement. Là, Alex, s'il subtilise une AK. En faire tomber une, pourquoi pas, mais la garder, j'y crois pas un seul instant. Non, non, surtout qu'il a été vu, on va partir avec Cobanane tranquille. Après, bon, ça pourrait gicler avec la bombe, mais il est déjà engagé. Il fait mal, mais ça suffira pas. Troisième round pour les Greyhound. Que je trouve pas non plus transcendant dans leur contrôle, leur finition. Vitality a l'air plutôt en place d'un point de vue tactique. Ils sont pas au bout de leur peine, les Australiens. Si ça continue pour les Français d'un point de vue tactique, c'est plutôt correct. Bah là, le problème, c'est l'économie. Hein. C'est, voilà, c'est juste ça. Faut le stabiliser parce qu'on le voit, ils ont perdu un round d'armée. Ça leur en coûte 3 au final quand même. Ouais, ça c'est pas mal, c'est l'écho petit achat. Tempo, des fumis un peu partout. Alors là, faut du sang-froid. C'est pas parce qu'ils envoient un fumigène qu'il faut le mettre le sien, parce qu'en général ça se fait justement en appel. Donc Ground pourrait faire un premier temps dans le vide. Et ceux qui ont le sang-froid en général temporisent un peu. Voilà, exactement comme ça. Mais c'était réagissent pas. Et un tout petit peu plus tard, on met le sien. Ça faut pas le faire contre Astralis hein, parce qu'après on se prend exec, c'est sur le premier fumigène qu'ils y vont. Mais ce sont les seuls. Oula, attention à NBK, ouais, la petite jambe qui dépasse. C'est très ambitieux quand même hein, comme écho côté Vita. Il y a peu d'équipes je pense qui auraient pris le pari de partir sur pistole comme ça, avec tous les joueurs à 4000 plus. C'est la carte du stuff de GTR, de les grenades, et ils le savent. Et puis c'est un round dangereux pour Ground. Moi je pense que Ground ils sont pas forcément hyper en place là dans leur. On sent que ça traîne. On sent qu'ils sont pas hyper pointus. Et peut-être que Vitality se doute qu'avec ce jeu franchement lent, hésitant, les fumis c'est parfait. Et là, leur priesté elle est assez tardive.
Il reste 35 secondes. Enfin, tardive. Ça va dépendre de ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est plus qu'une prise, t'es tout de suite. Hein. On envoie la finition. Dick Stacy va peut-être négliger le recoin. Il s'engage. Et le BK est d'un. Et de deux. Et de trois. Non, il tire pas. Il a pas de balle ou... Non, il a plus de balle. Ok, il a plus de balle. C'est Z. Alex qui tient bon. Ça, c'est l'élimination supplémentaire qui va faire très mal à Greyhound. Oh oui. Malta qui va essayer quand même de s'infiltrer sur ce bombe. S'il essaie de planter cette bombe, ça va le faire. Maintenant, est-ce qu'il a les points de vie? Si les Français jouent bien à deux, normalement, ça devrait passer. On se repositionne et on est attendu par Apex. Le petit achat pistole. Super. Et ce fumier qui part, on le voit arriver. Et on a été, mais on s'est fait aspirer par ce stuff. Là, ils sont fumés pour leur style de jeu. C'est bien. Hein. Effectivement, il n'y a plus de... Balle dans le chargeur. Ouh là là là, Neil. Eh oui. Mais le jeu est inquiétant hein, depuis le début. Greyhound. Moi, je trouve que quand il passe en haut parce que Zero fait une erreur, tu sens déjà que c'est pas mal qu'il le passe. C'est assez heureux. Et donc, avec ce jeu de fumée, les Vitality ont bien saisi le Steel Ground. Ah, le tir croisé dans le T, déjà, qui aura coûté beaucoup de runes vite. Hein, donc, ce serait bien de ne pas réitérer ce genre d'erreur. Là, il va y avoir un changement rig chez Greyhound. Je sais pas si on peut l'exploiter. Ils vont probablement jouer un peu plus vite. Ça peut provoquer des erreurs, des approximations dans les contrôles de zone. Ouais, la grenade est bonne. Voilà, typiquement ça, c'est le moment. Il est attendu. Hein. Ouais, pour le moment. Ouais, ça joue vite. Hein. Ils sont en 5-0 exec, j'ai l'impression. Ça va, c'est bien négocié par Greyhound. Mais bon, il n'y a pas de présence banane. Reprise du T de Ziwo, mais par la voie de cul. Cette fois, il a fait le grand tour. Les jeux en exec sur les équipes tier 1, c'est très ambitieux. Ouais, pour l'instant, bon, c'est difficile hein, de prendre des lignes de la part du sniper français. Mis sous pression, on va pouvoir s'infiltrer au niveau du spawn. Est-ce qu'on va check la bibliothèque? On n'est pas naïf et on prend le dessus. Ouais, le timing, mais bon. On s'ouvre le spawn, on s'ouvre beaucoup d'espace même de manière générale. Je crois qu'Apex a l'air très ambitieux là sur son reprise, sur sa reprise du spawn CT. RPK il va au moins gagner du temps, il prend un kill. Ouverture. Ah, il n'y a pas de double ouverture, le mecha qui tient bon et justement Apex dans le dos, Apex le deuxième. Et Siko enfin qui s'écroule face à Apex, le triplé est monumental. Comment Ibeka survit aussi longtemps sur son balcon? Il y a des balles à blanc dans le MAC-10 là. Hein. Ouais, peut-être. En Volvo, ils ont donné un chargeur de troll. Hein. Mais c'est vrai qu'ils sont assez naïfs. Hein. Dès que le jeu s'accélère, dès qu'ils doivent prendre un bomb site ou une zone, on sent que dès qu'il y a de l'action quelque part, ils sont tous focus dessus. Ouais. Voilà, ça c'est le move. Ça part de loin. Il traverse le spawn CT, il va long spawn CT sur un timing très très risqué et ça paye derrière. Donc ça c'est Apex double tranchant, le tranchant positif c'est celui-ci. Jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au bout Apex. C'est risqué parce que quand il y va, il est censé être attendu. C'est-à-dire qu'on arrive au spawn, on fige et on attend un petit peu ce genre de rotation. Après c'est un jeu de poker, parce que c'est classique de le faire, on ne le fait pas et Apex joue là-dessus et ainsi de suite. Mais après peut-être que c'est un petit peu parce que c'est Greyhound à voir. Je sais pas, de toute façon Apex il te fera ça contre tout le monde. Hein. Oui. Aller chercher une zone où il n'est pas censé y aller, pas à ce moment-là. Mais là on avait besoin de lui. Pause tactique en tout cas demandée par Nail et ses joueurs. La première sur cette troisième carte. Ça va, on a stoppé l'hémorragie hein, là. On a mangé son pain noir quoi. Pendant trois rounds d'affilée, des force buy, des échos, des one man army. Maintenant ça va mieux. On a perdu le snipe malgré tout sur Ziwo. Alors ils sont très passifs Vitality. Parce que Ground joue lentement. Et là, on va arriver à un tournant du match. Déjà sur le rythme de l'écho, mais sur même les rounds d'armée, on l'a senti avec cet exec en bas. Enfin, ce passage spawn. C'est plus Ground plan-plan. Donc le jeu Vitality va peut-être se transformer aussi sur des prises bananes. Il y en a une d'ailleurs qui se produit ici. Oh, attention à la sortie à part, peut-être sur une flash. RPK va falloir qu'il soit extrêmement solide dans son grand bac. Focus viseur, enchaîner les têtes, enchaîner les éliminations. Pour l'instant, voilà, il est totalement blanc. Peut-être qu'il va se faire dépasser. Smoke en main, on essaye de gagner du temps. Mais pour l'instant, il y a Ziwo qui fait le travail, qui protège son coéquipier. Le respect des anciens. 5 contre 3, c'est le plan qui tombe totalement à l'eau pour les Australiens. Mais attention à Dexter qui a pu s'infiltrer au niveau du spawn. Et je pense qu'il n'est pas du tout attendu. Free kill. Il y en a un. Il est pris. On récupère Inaka. Ça s'arrêtera là pour. L'ami Dexter. Le moins 3 de Ziwo. Le moins 4 de Ziwo. Il n'y aura pas l'ace, mais c'est pas grave. Le travail est fait. Erkas qui ne pourra pas récupérer d'armes. Si, la peut-être. La biblio. On ne faut pas qu'il me fasse tomber une arme supplémentaire. On n'est pas sur Overpass et les 12 000 $ là. Qui n'ont pas suffi d'ailleurs. Et là, il ne pourra pas s'enfuir. Ah, quoique. On prend des lignes assez passives.
Ouais, il faut respecter Aircast, ligne cassée. Quoique RPK, je crois que c'est assez direct. Et ça passe. 7 à 3. Donc là, on est vraiment dans le tournant. Ground, ils jouent lentement. Ils ont les symptômes d'une équipe qui a pas l'air de maîtriser Inferno dans un rythme effréné et qui avait l'air un peu paralysé quand même, Benji. Un petit peu, ouais. Ça leur a joué des tours, ça a été identifié par Vitality et ils mettent une écho comme ça. Donc normalement, Ground se transforme, ça s'est déjà senti sur ces deux rounds. Le passage spawn, cet écho qui est assez dynamique. Est-ce qu'en vrai round d'armée, on aura un changement? Auquel cas, les Vitality devront tenir autrement. Le jeu passif reculé sera sollicité plus vite, les fumis tomberont plus vite, donc Vitality change, prise banane. Attention. Apex, envoyé une flash dans le dos, et d'un et de deux, transfert de spray exceptionnel. Ah là c'est du bon Apex, là c'est du bon cru. C'est goûtu. Et voilà, 5v3, ça confirme un truc, c'est que Ground, en jeu rapide c'est chaud. Tentative de compensation directement sur l'extrémité. RPK, petite ligne vicieuse, très très vicieuse cette ligne d'ailleurs de la paire d'RPK. Il repère une arme, oh, il repère une tête, il repère une autre arme, une autre tête, le moins deux. Et ce round déjà qui est quasiment conclu sans même être joué par les Greyhounds. C'est typique. Oh, et en plus, là, des. Ouais. Bon, d'accord. Elle tombe dans le pourboire. Allez hop! Et là, c'est typique d'une équipe qui. Ça se voit, sa zone de confort, c'est la lenteur. Elle ne peut plus faire ça parce que c'est vu. On a tous compris sur le serveur que le lenteur terreau, c'est pas possible. Ouais, on voit quelques joueurs qui rient jaune. Ça, c'est une Mouseport. Là, c'est la Western 2.0 avec Incendiaire qui part du T. Flash dans le dos à la Mouseport et on envoie le meilleur des meilleurs pour courir. Ah, Apex. Oui, là. Tu presses Z, tu t'accroupis, tu sprays partout et tu ramasses. 8-3. C'est bien en tout cas pour l'instant. Ce début de side est encourageant. Face à des Gryon qui, tu as dit, pour l'instant, semble quand même un petit peu un manque d'inspiration, un manque de rythme en tout cas sur cette carte. Pas très inspiré. Là, il est, je crois que c'est lui. Ouais, là, ils sont entendus à 3 km, hein, Malta. On l'a entendu appeler l'ascenseur, prendre les escaliers. Carte blanche, hein. C'est ouais, normal. C'est vrai. C'est vrai. Carte blanche également pour Dixtessy. Ça sent le timing parfait face à NBK qui attend peut-être le reload. C'est un poil dangereux parce qu'ils sont en 4-1 là-dessus. Bon, ça ira. Et il l'a vu. Il l'a vu, je pense. Peut-être un bras, quelque chose à un moment. Ouais, le casque, hein. Ça aurait. Pas dégénéré, mais c'est bien. NBK survit. Apex est jamais très loin, de toute façon, dans ce genre de cas. Ce serait bien de les empêcher de poser la bombe là. Perdre une arme, pourquoi pas, mais au moins défendre ce bomb site. On le sent, Alex qui est déjà en train de tourner. Hein. On la devine assez facilement, cette finition en B. Perd Apex. Ah, il va récupérer la bombe pour amorcer. Il pourra pas si. Non, 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 il ose pas. Il s'est pris quelques balles. Ça l'a un petit peu refroidi. Dexter qui va peut-être essayer de récupérer l'arme. Non, même pas. Elle est trop loin. Jouer les duels. C'est le 9ème round en tout cas qui se dessine en faveur des Vitality. Qui sont pour l'instant, en tout cas, je vais pas m'avancer, en train de s'éviter une map piège. En tout cas, un premier side de piège. Et en parlant de piège, c'est le moment d'entendre un au Greyhound parce que. Il y a peut-être un coup à jouer de 4-1 passive, 4-1 adenté. Il y a une domination banane de Vitality. Je sais pas comment Ground va aborder la chose, mais il pourrait dire, bon, la banane, on la laisse. On y reviendra en mid-round. On se prend le T tout de suite. C'est pas automatique, mais il y a un petit jeu de poker toujours avec le T et la banane. C'est-à-dire que c'est deux zones neutres. Quand et comment? Pour la défense, pour l'attaque. Et pour l'instant, Vitality a un temps d'avance. Ils ont compris le jeu passif. Maintenant, ils ont changé eux-mêmes parce qu'ils ont anticipé que ça allait bouger plus vite pour les Ground. Donc, il est percu de banane avec Apex. J'aime beaucoup le coach irlandais. On le sent, tu vois, là, son équipe est en difficulté. Dans la pause, il n'y a pas de la surexcitation. On sent qu'il n'y a pas de l'énervement quand il parle avec ses joueurs. Il reste quand même très, très serein. Je pense qu'il doit. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il joue pour la cam aussi. Pour la caméra. Ah, tu crois? Alors à ce moment, comme ça, là, troisième carte pour le Major? Aïe, 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 tu me déçois, là. Je sais. Tu crois pas en les gens. Tu crois pas en la bonté? Non. À part celle de Zivo. Zivo est bon. En tout cas, il était serein, enfin, plus ou moins calme. Encore 3 rondes à jouer. Avant de changer de side. Donc c'est bien une défense T, mais c'est pas la 4-1 que j'espérais. Mais ils sont 3. La banane est prise par Greyhound. Ils étaient 3. Standard à peu de choses près. Non, on la maintient pas si facilement que ça, cette prise, cette défense du T. On a déjà reculé, Ziwo qui est loin.
Il reste que RPK pour l'instant, votre cul, ses coéquipiers eux sont en train d'entourer le bomb site. Ah, on va essayer d'isoler RPK, j'ai l'impression. Il y a un oubli là pour le joueur mongol. Hein. C'est une bonne réaction. Ils vont se prendre la même, non? On est presque déçus que le fumigène tombe. Ouais. Ça aurait été marrant de voir la réaction là. Parce que maintenant ils vont peut-être y penser. Non, pas du tout. Ok, Arcastivaz, il va être aveuglé. C'est pas possible de se prendre la même. RPK est d'un. Et il va s'extraire d'ici. Ah oui, c'est trop tard les gens. Exactement. Une petite grenade en cadeau. LBK par contre, il est 1v2. Peut-être même pire. Ouais, c'est trop. Non, non, c'est pas. Y'a rien là en fait. C'est pas possible de prendre un BP comme ça. Bah, faut lancer un fumi quoi. C'est-à-dire que c'est pas. C'est un style là, oui. Enfin, non, c'est pas. Ils ont tous du stuff, hein. Ils ont des fumis, ils ont des flashs. Bah, ils s'entraînent en Amérique du Nord, hein, tu sais. On y va un par un, nature peinture dans la vodka. C'est tout Australie. Ouais. Oh non, mais c'est nul. Mais il y a des fumis dans les poches, ils le mettent pas BP. Ça, c'était un peu AMS. Ouais, ouais, ouais. Ils se retrouvent quand même en 1 contre 2, je trouve que c'est une aubaine. Clairement, et il est condamné au full team pour l'exploit, pour le 4ème point de son équipe. Obligé de reculer. Il faut sauter les lignes. Non, et voilà, on rate la balle. Et heureusement, parce qu'il y avait possibilité d'enchaîner. C'est déjà extraordinaire hein, qu'ils se retrouvent en 1 contre 2, qu'ils aient l'occasion de poser cette bombe, tant c'était quand même très difficile ce qu'ils ont tenté là. Je crois qu'ils ne veulent pas du sniper, c'est les Vitality. Mais il y avait deux fumis dans les poches, il n'y a pas le fumis bah, voilà, sur les petits escaliers de l'entrée BP. Là. On le revoit ici là. Ici. Ouais. Comptez les fumis. Et regardez là, regardez. La prise vodka un par un. Ouais. Tout le monde regarde le BP. Et ça c'est ok. Le fumis, c'est tout. Ouais. Le fumis à la mode que tout le monde a depuis des mois. Il y en a quand même deux dans les poches hein, des joueurs derrière. Ouais. C'était pas si compliqué d'isoler NBK du BP. Parce que s'ils mettent le fumis, ils sont 3v1. NBK il fait 1 pour 1. Prise BEP, on rigole beaucoup moins chez Vitality. Mais Ground montre des faiblesses. En fait, dès le début, dès la lenteur sur Inferno, tu sens qu'il y a un problème chez les Australiens avec cette carte. Dès que les mecs mettent une 20 pour faire quoi que ce soit. Oula, là ils se sont pris tarif sur la grenade d'Apex. Maltak a déjà récupéré la ligne, attention à pas aller trop vite. Peut-être sur une déclic, ligne par ligne. Ça c'est chaud par contre. Allog, Apex, oh, oula. Stuff en main. C'est Alex pour l'instant qui a la première ligne, non je suis surprendre. Et ça va passer, il y a la Fouini mais je sais pas si elle va être suffisante, non. Beaucoup trop difficile là, la défense qui manque un petit peu de solidité, ouais. Je sais pas comment Apex décale aussi large. Bah, ils se prennent Art Hunter quoi. Ouais. Ground, ils sont full buy, ils ont du stuff, ils font une estro donc ils utilisent pas ce stuff. C'est contre-intuitif, c'est à Art Hunter le setup Vitality. Qui est là en réaction, ils se disent, mais sur ce round, ils ont du stuff, ils vont jamais tenter un truc comme ça. Et donc aussi. Apex, il a stuff main. Donc plus c'est simple et plus ça met en valeur le skill, plus les grounds sont efficaces. Voire même plus ils jouent au contraire de ce qu'on attendait d'un point de vue tactique, plus ça fonctionne. Mais bon, c'est la fin de manche, ouais. Ça n'en fait qu'un de plus. Et ça finira pas en force buy, je pense, pour les Vita. Hein. On avait quand même quelques réserves. Je crois pas. Ouais, je crois que ça ira. Perte des armes, mais ça devrait aller. Ouais. Ah, Deagle quand même pour Alex. Ouais, ouais, ouais. Et c'est moi qui hésite. Non, pas de sniper. Ah, ok. Quoi? Ah, d'accord, ok. What? C'est Zivo qui sont. Ouais, après Zivo ou Deagle, c'est vrai que ça peut être un sniper. Hein. Bah, ça équilibre la partie, on va dire ça comme ça. Oh, faut tirer. Très dommage. Oh, pourquoi je vois? Il veut pas révéler qu'ils ont un sniper en B. On sent quoi, c'est. Hein. Certains auraient déjà vidé un chargeur dans le muret là. Franchement, ça me. Déjà sur Overpass, j'étais pas très emballé par cette idée d'Alex au snipe. Ça fait quelques mois que ça dure. Sur Inferno, NBK a fait ses preuves. Zio, je crois que c'est pas la peine de le citer. Il paraît. On repart sur une 3B. Après, c'est sûr que Zio, bah, avec une M4, ça marche aussi. Ça me surprend. Alors, quelle va être la réaction? On a entendu le snipe. Qu'est-ce qu'on va se dire? Si on part sur une exec, ça devrait passer. Alors il y a un effet. Ah, bon, pour le coup, ça ne fonctionne pas. Ça envoie le message Zivo est là, ou NBK. Et en fait, bon, Zivo est vraiment là, il est en B, mais. C'est pas su qu'on croit. Donc c'est pas la logique de vouloir faire peur avec en agitant le spectre de Zivo. Ça n'a rien à voir, il repart d'ailleurs. Ah, et Apex adore cette pause. D'ailleurs, le fumi. Fond piscine, en anti-flash. Cet homme a dit, Dick Stacy. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et Zibo. Alex, Apex.
Il reste encore en fumier en plus. Hein. Malta qui va jouer un petit peu là les entremetteurs. Essayer de semer la panique au niveau de la défense. Mais c'est bien en B que ça va finir. Il faut résister. Il reste encore en fumier. Il va falloir le traverser du côté des Gryon. Ils n'ont pas le choix. Traverser à l'aveugle. Apex qui va se régaler le moins 2 derrière CA. Alex maintenant d'intervenir. Il rate sa première balle. Il faut qu'il gagne du temps. Il reste 7 secondes. Il va falloir poser la bombe du côté de Sico. Il faut poser la bombe et on l'en empêche. Non, mais c'est pas grave. C'est anecdotique. Bah, 11 en tout cas, à 4. C'est cool qu'il ait pris le snipe. Oui, c'est vrai. Tout ça pour Switch au Deagle. C'était bien ce snipe. Hein. À refaire, Alex. Premier save en tout cas rassurant côté Vitality. Hein. On craignait vraiment le 9-6 ou 8-7, tu vois. Ça va. Avec un switch inquiétant, là 11-4, il y a de la marge. Il y a de la marge, hein, Ground, c'était pas fameux. Petite pause, et à tout de suite. Bon, Ground, en attaque, c'est pas terrible. En défense, ça peut être une histoire très différente. On en a vu un exemple avec Overpass. Ça peut être en effet très compliqué. Pour peu qu'ils remportent le pistol, qu'ils rentrent dans leur side. Après, on sent que voilà, la carte, ils ont un temps de retard par rapport à la méta de Vitality. Hein. Donc ça jouera aussi en CT, on peut pas forcément se contenter de jouer reculé. Là, c'est le dernier round, on le voit. Et c'est un des problèmes, tu l'as dit, c'est-à-dire que là, il y a encore quoi, 20 secondes et il reste mollo plus incendiaire, enfin incendiaire pardon, plus fumier sur Apex. Exactement. Ce qui les oblige un petit peu à rusher oh là 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 là. N'importe comment. On a raté le début du pistol. On a eu des replays, mais nous, on a le pistol. La prod Berlin. Bon, accélération, appartement. Il y a eu un rush mid, hein, des Australiens, Dexter réception, Alex qui fait le travail, Dexter qui tient bon. On va avoir besoin d'aide d'Alex ici peu, mais NBK, non. Enfin, moi j'aurais besoin d'aide, mais NBK, non. Attention par contre, Vodka. C'est ça la différence. Eh oui, si Koi s'offre l'envers, il sait à peu près où est Alex. Ou pas. Bah, il sait qu'il est dans les appartements, mais il sait pas quand et où. Il le voit, le touche, il n'y a pas de Kevlar sur Alex. Il a récupéré la bombe, il peut s'enfuir s'il le veut, il a du temps. Siko qui commence à sentir l'entourloupe, qui accélère. Il réalise que ça va finir en B. Il peut avoir un timing. Hein. Si Siko joue le coup à 100%. Trop tard pour Siko. Ah, il hésite tellement, Siko. Et c'est le problème quand tu réfléchis trop en 1v1. Ouais, mais je vais en B, il sait que je vais en B, il sait que je sais. Et au final, ben, tu fais rien. Alex joue tout de suite la banane. Il va peut-être se mettre derrière la planche de bois. Non, il se met rigo. Ah, ligne cassée. J'ai peur qu'il arrive trop tard. Il n'a pas de Kev, je crois. Oui, il n'a pas de Kev. J'ai tellement peur que Siko arrive une seconde trop tard. Oh là 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 là, oh my fuck. Le timing, mais de... T'es pas sérieux. Alex et son karma. Mais ça pue à 100 km. Hein. Vraiment. Tu l'avais vu venir. Hein. Tu l'avais vu venir, c'est vrai. Oh, le tout ça parce qu'il arrive tellement en retard qu'Alex ouais, finit par douter. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'il est tellement hors timing qu'il arrive dans des timings ben, inattendus. Oh là 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 là, tu l'as vu venir. Il pouvait pas garder sa ligne éternellement. Il met un contre deux. Hein. Bad luck Alex. Après bad luck Brian. Bon bah c'est parti pour l'achat forcé. Il y a quand même deux AK. NBK continue sur son P5. Chacun son style.
Et d'utilitaire, bien sûr. Ouais, ouais, celui qui perd le pistolet n'est pas forcément celui qu'on croit là. Exactement. Comme d'habitude. Quand on amorce et qu'on fait 4 kills, forcément, ça met du beurre dans les épinards. Et encore, t'as certaines teams, elles ont même le moyen d'avoir un Krieg en plus. Hein, donc, ouais, mais bon, là c'est double rifle, double SMG. Et la K dans les bonnes mains. Et Apex, encore une fois, qui s'est sacrifié. Hein. On lui a offert un Deagle, mais il a rien d'autre. Mais pas de Kevlar. Petite phase de pression dans la banane. RPK, première ligne, qui en tue un, qui repère le deuxième. Et ça, ça peut être très intéressant si on veut finir en B. Non, finalement, on va pas chercher plus loin. Ah, ils envoient pas le stuff. Ils auraient pu faire double fumi flash et repartir en A. Je sais pas si ça aurait fait une rotation supplémentaire, probablement pas. En tout cas, ils repartent en escro sur le mid. MBK est en appui sur le couloir. L'incendie empêche MBK de sortir, mais pas ses coéquipiers d'avancer dans le T. Silencieusement, progressivement, dangereusement pour Greyhound qui se replace. Il faut une flash. Et Dexter est seul, le premier, la vengeance, elle arrive, oui. Ça peut durer parce qu'il y a du stuff main, et on avance. Malta, Malta surprend NBK, oui. Mais NBK tient bon, le P5 c'est NBK l'expert, pas les autres. Ça passe, il va passer ce force buy. Là ils sont surclassés Ground. Ah bah là chacun joue sa zone et chacun joue des 1v3 quasiment. Moi je pense qu'Inferno il maîtrise pas trop le coup. Et on perd ses duels. J'allais dire attention à Apex qui arrive dans le dos mais... Il est toujours vite, ça va. Ouais, ça va. Enfin, on pense. Oui, c'est bon. Il vient juste récupérer une arme, le pauvre. Et en parlant d'armes, on va écho. On va pas écho grand-chose hein, chez les Greyhounds. De MP9, un peu de stuff, mais... Parfait le call. Pas de quoi être confiant. Parfait le call, nous dit Xtaz. C'est vrai, c'est pas mal fait. Il y a eu un beau duel d'NBK, un bon call d'Alex, j'imagine. Ça, c'est dommage pour Apex, mais décidément, il est là pour prendre tarif. Ce que je retiens surtout, c'est la faiblesse de Greyhound tactiquement en attaque. Là, en défense, le joueur contact tombé qui se fait UMP le visage. Ouais. Et les joueurs du A qui se séparent l'un de l'autre alors qu'ils sont sous-équipés. Chacun joue sa vie. Point terrible. Chacun fait sa vie surtout. Ça, c'est le problème de Greyhound. Par contre, ils sont toujours, je pense, d'un point de vue individuel à peu près dans le coup. Bon, P5, faudra mettre ça de côté. Oh là là, on part sur un achat qui est tellement complexe. Hein. Ça fait plaisir. Max Seven sur Malta, Scout sur Dexter. Après, on a beaucoup de stuff. Ça, par contre, c'est un point positif. Attention à ce Scout qui pourrait faire quelques dégâts dans les premières secondes. Sur le premier décal. Bah, allez, on s'appelle. Ciao. Il n'entend pas grand chose, M2. Petite bataille banane. Ouais, il est en train de prendre son timing, Malta. Hein. Ouais, je sais pas. Ah, faut nous mettre sur Malta. Ah, contact en plus, c'est cruel cette ligne cassée là. C'est fort en bouche ça. Hein. Ouais. Il ose pas décaler plus loin pour récupérer l'arme, donc bon, c'est un moindre mal, on va dire. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est coincé, Arcas. Bah, l'air casse. Il flash, il flash à coéquipier, mais Alex et Apex tiennent bon. Je crois qu'Alex n'était pas aveuglé. Il attendait la flash du coéquipier, hein, mais bon, c'était assez artistique. RPK qui s'engage, Malta qui le calme. Oh, le tarif est similaire. RPK, NBK, ça se termine pareil pour le pseudo et pour la mort. Zivo s'engage, 3v3, la tenaille. Hein. Oh, mais là, par contre, il est quand même à une certaine distance. Il y a quoi dans son chargeur? Waouh, c'est des balles au plutonium. Malta, enfin, il a mis les dégâts supplémentaires pour que Siko gagne le duel facilement. Siko qui retourne la tête de Zivo et Zivo qui retourne la tête. Ouais, je veux bien le coup. Il savait que c'était le corps de Siko. 1v1. Et il se doute justement que le dernier est nouveau de cette vodka. Est-ce que Dixtessy décide de prendre le risque? Non. Il va pouvoir poser la bombe sans aucun souci. Il a le temps. Zivo 1 contre 1 face à Dixtessy. C'est le 13ème point pour les Vitality qui se joue. Oula, c'est une position il a pas d'info. Très particulière de Zivo, je trouve. Il a aucune information. Il parie sur la vodka. Est-ce qu'il aura un peu plus de. Il a vu? Il a What? Vu. Mais comment il fait ça? Oh, le réflexe derrière! Le petit coup de souris! Directement dans la tête de Dixtessy! Enel qui comprend qu'ils viennent de perdre très très cher sur ce round. C'était un force buy. Il l'a vu? Entendu? Mais non. Ça par contre, ce Max 7, pouh. Max 7 chaleur. Oui. C'est le Max 7 chaleur. Comme à chaque fois. Il donne chaud. Oh là là, Apex. Apex. Faut que ça tombe sur un bonhomme. Hein, ah, quand t'es sous l'arche et tu prends un décal BP par un Max 7 et qu'il te one shot. Vivement que ça s'arrête hein, pour ah, Apex. Ouais, hein. Ouais. Ah, il va profiter de son day off demain. 13 à 5 écho sèche pour les Greyhounds.
Malta qui allait un petit peu trop vite dans son appartement. La contre-éco, c'est délicieux. Attention à Dextacy. Attention à Dextacy, l'USP, on s'applique, mais on s'applique et on réussit. C'est délicieusement raté pour Alex. Après, Alex, il avait un Mac 10, je crois. Hein. Oui, oui, mais bon, justement. Bon, le gain de round ne fait pas trop débat. La seule question, c'est est-ce qu'on va perdre des armes bêtement ? Avec un tir croisé improvisé là au niveau de ce mid. Ouais, bon, ouais, c'est bon. Hein. Ah, ok, NBK. Il veut cut ? Ouais, il veut cut. Oh là là, il gâche tout, Siko. Réportable. Par contre, moi je suis encore en PLS sur le clutch de Zivo. Genre, il y a un canon qui dépasse d'un pixel, il le voit. Parce qu'avec le X-ray, on se rend pas bien compte, mais. Moi j'aimerais bien comprendre l'action là. Comment le mec Zivo sait quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Ou alors il a le X-ray lui aussi. Ah là, pour le coup, ce serait quand même une sacrée surprise. Ouais, non, c'est vrai. 14-5 en tout cas. Il a vu, hein, je pense. Ouais. Avec le X-ray, nous, on piche pas bien. Je pense qu'il doit avoir le bout de bras au moment où il se déplace, sur la fin, quand il se replace derrière la caisse. 14-5. Donc. Ou alors il a senti son parfum. 1v1 pour homme. Oula, Siko, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il se replace, tu vois, il hit les flammes. Ok. Il se fait charger par une équipe. Ah, remarque, française. Ça peut surprendre. RPK, il est très surpris là. RPK, press Z, on s'arrête pas, on essaye de mettre du rythme. On a compris que Gryon était très friable sur cette carte, donc on va essayer un petit peu de les bousculer, les pousser dans leur retranchement. Notamment Dexter qui tire, qui panique un petit peu, qui sait pas trop où mettre de, où donner de la tête. Ah, c'est horrible ce que lui. Oh là là, ils sont 4 autour de lui, oh c'est là pareil là. Pour Malta, les Vitality qui passent à vitesse supérieure et qui n'ont plus de temps à perdre face à cette équipe. 15 à 5, Haroun. Et ils seront en deuxième phase de ce Major. C'était génial ce qu'a fait Zivo. Il savait que le duel était foutu, il a changé d'avis. Il s'est dit, oh puis non. Oh non, franchement non. Ah là là, on sera passé par tous les chemins, par toutes les émotions avec les Vitality hein, sur cette semaine. Hein. Ça commence avec une grosse surprise, la défaite face au Simon. Derrière des victoires difficiles, des défaites difficiles également. Ouais, Tessa qui passe à la casserole mais qui remonte quasiment le 15-0. Ouais. Et puis Dream Eaters. Ah, c'est frustrant de les voir comme ça, quoi. C'est comme si t'as une Ferrari, toi, mais que t'es bloqué en seconde. T'es bridé, ouais. Ouais, t'es bridé à 40 km/h ouais. Alors que tu sais que tu peux monter à 300. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, enfin. Je vais pas te mentir, on s'est fait 2-3 points avec Zivo de temps en temps. Hein. Voilà, faudra passer au garage demain. Faudra faire quelques réglages. Les Grounds, ils se souviennent d'un pistol CT sur D2, ils sont pas venus pour rien. Faudra changer les bougies, ouais, c'est vrai. Mais on sent que c'est encore un petit peu bridé pour l'instant. Quand Zivo, il passe sur un VP, t'entends que tut-tut, hein, c'est tout. Aïe, j'espère qu'il y a quelqu'un dans ce flash là. Ok, on annule. Le ball de Michel. Prise banane à 4, à 5 même, puisque NBK va, j'ai l'impression, arriver à contre-temps également. On se méfie éventuellement d'une reprise du T. Ah voilà, on va finir en 5-0 et on va essayer de mettre le coup de boutoir. Le coup de massue, final. Il n'y a pas de Max 7, si, mais est-ce qu'il est dans le coin? Parce qu'il me fait peur ce Max 7. Ah, une petite burning, et c'est parti. Alors, un over, des flashs. Oh là. Et un massacre. Pour l'instant, ouais, attention au tour de flamme, justement, le second temps. Non, finalement, RPK qui n'arrive pas à faire le trou. Et Apex. J'allais dire tout seul, non. Ouais, lui, il est mort. Voilà. 2v3. Ça peut se retourner, encore ce round. Par contre, il y a Dexter ouais, qui n'a pas été envisagé. Le petit boost à contre-temps, c'est bien fait. Et lui. Ouais. Je pense que ça doit être un fan de Krav ou. Ouais, c'est ça. Il a appris à aimer CS. Ah, c'est du brutal, hein. Ouais. C'est la version bûcheron de CSGO. Ça défouraille. Clairement. Bon, il y a de la marche quand même, hein. 9 rounds à mettre, je pense que ça passera quand même. On casse un œuf dans la bière le matin, cul sec et au boulot. Max cette chaleur. Malta. Ah, les Dick Stacy qui s'envolent un petit peu, c'est de l'armée Dick Stacy, attention! Mais la Western est pas mal négociée, Apex tombe. Ah, on double, complète ça avec double fumée. Ah, la double incendiaire, là, elle fait mal. Hein. Ouais, un peu approximatif sur la fin, mais en tout cas, c'est bien fait au début par Greyhound. Apex qui est totalement isolé. Ouh, par contre, là, c'est en train de déclencher en rage. Ouais. Je vois une pluie de fumigène qui est en train de d'entourer ce bomb site A. Aux alentours de la vodka. Malta qui essaie justement d'en jouer un petit peu. Dexter également de l'autre côté. Il vient trouver un timing, il peut faire de l'un pour un. Je crois que oui, il va laisser. Il est où, Malta? Il est où, Malta? Oh, Malta qui vient faire le moins 2.
NBK qui récupère le grand bac un chouïa trop tard. Il y a moyen de faire des dégâts économiques. Déjà, il y a un mort vivant là-bas qui se cache. On cherche Malta, qui s'est repositionné BP. Et ils ont pas l'info sur lui. Hein. Non, mais ils se méfient. Double décal. Ouais, ils ont compris. Ils ont fait des tonnes. Hein. Ouais. C'est vrai que là, par contre, et l'Oscar du meilleur coach. Il sort son meilleur cours Florent, là, quand même. Hein. Ah, le très très bon décal de Malta là. Mais bon, Complexity dira ah, ça c'est du vrai coach, tu vois, c'est coach engagé, c'est forcément compétent. Il crie plus fort que les autres. Ouais. 15-7. Et on va partir par la case petit achat. Autour de la case de RPK. Faut choisir quoi, soit t'entends Extase qui te dit super call, soit il y a quelqu'un qui te crie dessus. Ouais. Moi je prends le super call, hein, mais après chacun ses choix. Tu vas en deuxième semaine toi. Attends, parce que tranquille quand même, hein. Ça serait pas la première fois. Je teste mon karma. Je te rappelle qu'on est sur Inferno. Tu te détends tout de suite, monsieur Benji. Je teste mon karma. Petit coup d'épaule. Psycho tranquille pour l'instant. Parce que les Vitality, c'est pas les derniers pour se faire remonter aussi. Hein. C'est vrai. Ah bah carrément, on en oublie le match. Voilà pour le coup, 1v4, P2. Mais voilà. C'est vrai qu'il y a un petit peu de public, c'est rare hein, généralement sur les premiers stages. C'est impossible en fait, c'est une nouveauté. Ouais. Et là, petit accent irlandais. Deux grandes salles avec 20 PC dans chaque salle. Des matchs qui s'alternent, qui se relaient. Et donc un petit public, des petites tribunes, je crois qu'il y aura peut-être 100, 200 places ouais, dans ça. Chaque salle, c'est ça. Avec un grand écran. Et surtout ce qui est bien, c'est vu qu'il n'y a pas d'ambiance et pas de commentateur, ben, t'entends la réaction de tous les joueurs. Ouais. Et ça c'est plutôt sympa, je trouve. Enfin la réaction des coachs pour l'instant. Hein. Aussi, surtout. Ah, je tiens un coach sur eux sous deux là. Alors, ça c'est genre un petit achat dangereux hein, pour Greyhound. On n'a rien à perdre, on peut jouer décomplexé, peut-être un peu trop pour Apex d'ailleurs. Alpagué par Psycho Banane. Exec, on court dans les flashs. On tire en courant. Et on prie. Voilà, les cheveux au vent. Peut-être pas pour Extase, mais en tout cas, pour son équipe, sur le serveur, eux, c'est possible. Bon mur de fumier, Dexter qui a pas trop de visibilité, Malta non plus. Si on veut faire des kills, il va falloir les traverser, c'est risqué. Et pendant ce temps, Aircast est un petit peu isolé au niveau de cette voie de cul. Il s'en sort face à Zio, il n'y a pas de follow-up. Ça permet malgré tout au Vita de poser cette bombe. Il n'y aura pas d'ambition supplémentaire, je pense. En tout cas, ce sera difficile. Il faudrait beaucoup, beaucoup de réussite. Un PV. Ouais, ça va être dur, là. Ça va être dur, dur, dur. Il n'y aura pas de dégâts économiques, mais il y a une bombe amorcée. Et c'est plutôt intéressant, parce que se faire perfect et pourtant poser en A, c'est plutôt rare. C'est vrai, ça. Les fumées étaient bonnes. Allez. On va chercher une deuxième semaine de Major. Un round seulement. Ça, c'est Apex. Oh, c'est beau. En plus, on ralentit la réaction là, de Nail derrière. Je voyais le round à travers ses yeux. Dans ses yeux. Là. Ah, c'est que la première pause tactique hein, d'Evita pour l'instant. Oh, ça reste toujours mieux que la mort de Marion Cotillard, mais... Attends de voir le 16ème round. Attends de voir l'acte final. C'est vrai que sur l'élimination, je suis curieux de voir ça. C'est qu'un avant-goût. Alors, la première pause tactique Vita. Extase qui aimerait bien mettre les choses au clair un petit peu avec ses joueurs là. Si vous pouvez éviter de jouer avec le feu, de jouer avec ses nerfs. On a subi pendant deux rounds au pistolet. Est-ce qu'on va pouvoir conclure ici? Ouh, l'échange d'amabilité. Il y en a un qui était moins aimable que l'autre par contre. Oh, c'est la double grenade banane ça. Oh là là. Ça me rappelle Overpass. Oh oui. Oh non, sur le round d'armée, je crois qu'on a fait deux échos. C'est ça, ouais. Il commence à 1.30 avec ça. Plus la reprise derrière. Oh, deux joueurs. Il joue bien par contre. On ramasse les restes. Parce que là, c'est vraiment les restes. Hein. Oh, c'est pas cool. Oh. Donc là, il a failli se suicider juste pour ramasser une AK.
Ouais, mais est-ce qu'il l'a eu? Oui, il l'a eu, ouais. Voilà. Une belle acarose. Worse. Comme répondrait Jax à Lambert, ouais, mais est-ce que je l'ai eu? C'est vrai. Bon, il reste animal. Lui, il a pas pris de grenade. C'est vrai. Il a un peu de stuff. Alex Nbeka autour, c'est pas non plus pour décorer. On va. Les dégâts économiques seraient quand même sympas parce que Greyhound, ils vont pouvoir racheter sur leur remontée jusqu'au bout avec un équipement plein. On aurait préféré qu'ils mettent les rounds pendant 4 armes à chaque fois. On est loin du compte là. Hein. Il y a déjà des excédents importants. Ouais, tant qu'il y a la dame sur l'échiquier, même avec 2 tours, tu peux faire échiquier matin. Raté, de peu, franchement de peu. Aïe. C'est malheureux parce qu'elle est belle celle-là, de flash. Là c'est échec mais... Dans le sens inverse. On a perdu peut-être l'élément le plus sûr sur ce point. Et on va même encore une fois se faire perfect, attention quand même. Pas perdre le fil du match, on sort quand même d'une pause tactique. On va mettre ça sur la double grenade malheureuse. Ouais. Qui a un petit peu séché ouais, je pense. Ça aide pas des masses. Ouais. Après la reprise banane, je crois qu'on n'est pas vraiment anti-flash. Bon, après, il n'y a pas de point de vie, ils peuvent pas réagir, mais. On peut voir ça. Ouais. Ça, c'est bon. RPK la prend pas, mais il a pas les points de vie. Donc, effectivement, la grenade pèse dans le round énormément. Parce que je pense qu'RPK peut se défendre. Là, il prend body, il meurt. Un body. Peut-être, peut-être. En tout cas, on repart sur un achat compliqué. Du Galil, des Mac 10, quand même, encore une fois, beaucoup de stuff. Si on évite, si on arrive à éviter le stuff au début de round. Avec peut-être une accélération, pour l'instant on est haut déjà dans le middle pour Ziwo et Alex. On va pas oublier la banane aussi, elle est tenue très haute par Dick Stacy. Ah, RPK il est quasiment spawn terreau pour garder la vision. Ouais, il évite les grenades à rebond en fait, et puis il tend un piège bien sûr. Yes, attention à celle-là également de grenade, Siko s'il a le timing. Ouf. On reconnaît le réflexe. Quelques égratignures de part et d'autre. Chacun se replie, chacun recule. Quoique pour l'instant l'évita garde sauté, j'ai l'impression. Il y a un fumier speedbait qui a été envoyé. Donc là on crée plus de points d'accès que de défenseurs. Il va y aller si vous ou pas? Il va y aller oui maintenant, jusqu'où il va aller en fait. C'est ça la question. J'avais jamais vu celui-là, il est tout bête mais très, très malin. Saute la ligne. Non. Sans pal, c'est pas tout à fait suivi. On a avancé long, il y a un joueur juste à côté, c'est Apex. Apex qui tire dans le vide, qui préfère sur le sniper qui tire dans le vide. Et voilà Siko qui s'écroule. La tenaillera qui s'organise, ouverture d'Alex. Oh oui, Alex. Oh, ça va passer. Allez, la double ouverture, elle est là. Pas, peut-être pas pour lui. Ça va passer. BK. 4v2 BPA. À celui-là, s'il le jette, on serre les fesses. On pose le casque. Reste avec nous, reste avec nous. 4 contre 2, beaucoup de stuff, on décide d'y aller un petit peu tête baissée du côté de Dick Stacy qui est repéré, il a son coéquipier derrière, on attend éventuellement une coupe dans le dos mais pour l'instant tous les Français sont bien regroupés autour de ce bomb site, 2 BP, 2 grands bacs, NBK. Et il reste plus qu'un seul joueur à éliminer et les Vitality pourront décrocher le dernier ticket pour la Legend Stage de ce Major Star Leader. 8ème et dernière équipe qualifiée, les Vitality. Bah tu vois là cette finale, elle est là. Alors Cotillard. Ils rejoindront les Watch G2. Watch and learn. Yes. Quelle difficulté quand même dans ce parcours pour les Vita. Il va falloir vraiment mind reset là. Oublier tout ce qui vient de se passer sur les 3-4 derniers jours. Se ressaisir, faire le vide. Parce que derrière ce sera quand même des matchs d'un autre gabarit hein, qui va les attendre. Ouais ouais. Il y a encore des Russes. Hein. Oui. Ils veulent rejouer Dream Eater, c'est possible. Hein. Ils n'ont pas le même elo. Hein, donc ils vont pas se taper toutes les croquettes tour après tour. Non. Non, non, non. Je crois qu'ils affrontent North. Premier match. Ouais, t'es déjà au courant toi. Ouais, on a déjà les Hello. Hein. Moi j'ai Nel qui bosse derrière. Ouais, mais ça c'est bien, t'as ton petit esclave. Il bosse dans ma cave H24. Ah, durant le Major, je le réquisitionne. Je crois que c'est Norse, hein. Il y aura un CND qui connaît les match-ups, donc de toute façon ils en parleront durant le pré-show. Mais ouais, c'était dur, mais voilà, on respire un petit peu. Allez, on vous envoie sur le desk avec Happy, Lambert et CND pour cette qualification en deuxième semaine des Vitality. Merci PM, merci Benji, vous avez bien mérité votre jour de repos. On se retrouvera mercredi pour la New Legend Stage ensemble, Lambert. Bon, elle était plus facile la troisième en vrai. Ils ont eu du mal à conclure, ouais, ça a fait un peu du Jean-Claude Duss, mais à la fin, ça conclut quand même. Jean-Claude Duss, carrément. Non, c'était mieux. Bah, de toute façon, c'est ce que je voulais. Je t'avais dit justement que je voulais du mouvement, des rotations. C'est ce qui s'est passé. En plus, il y a eu un petit couac au début quand ils menaient 4 ans, justement.
Avec Vincent, on en a parlé dans un round, par exemple, où NBK appelle un backup un peu trop rapide. À un moment, Zio qui fait une petite erreur, qui se donne un peu dans la vodka. Enfin, on a cru qu'ils allaient perdre le fil et au final, ils sont quand même bien finis. Je crois que ça finit sur 11-4. Et il y a une interview. Congratulations, NBK. Finally, it is over. Finally, the team is moving forward to that legend stage. Obviously, everyone knew coming into the major, Vitality, second best team in the world. Coming into this challenger stage, top seed and... Yet it was not a smooth or easy journey by any means. Yeah, no, I mean, we did a lot of things wrong. We started off obviously very wrong. I mean, the games against Simon and Dream Eaters were horrific. I mean, we had everything technically going for us, the seeding coming with confidence, and yet everything went wrong. So we have one small day to fix that for the Legend stage. But I mean, you know, we can make it. It's just a matter of, you know, you can change from one map to another. It's up to us. We saw what you had to say about what went wrong with that Simon series, but Dream Eaters, another CIS team, but a very, very different style from Simon. You know, what happened there? I think they're good. I think it just goes down to that. I mean, they've been playing very good and throughout the tournament, even Simon. I mean, they were in 2-2. They're surprising. CIS teams are always here to surprise because there are so many player styles in that region that you'd never really know what to expect exactly, and they all showed up individually big time, and I think that's what gave them a big edge in all the games they played. And even in this series against Greyhound, it went all three maps. Let's talk about Inferno. I know at least before that player break, you were the one calling. Is it still the case, or are you splitting it now? Yeah, we're back to splitting things up so that it makes sense and it's coherent throughout the roster in the maps. It's just a matter of getting a bit more experience for him to call on T side and get more used to it. I mean, we're fully confident with what we created. It's not going insanely well, but it's also a lot of, you know, chaos that we need to fix, regardless of Inferno or not, regardless of a tactics call or not. It's a lot about our communication, energy, and managing to not fight one another, but fight the opponents and not within the team. You had mentioned that leading up to the major, you weren't 100% focused. The team, at least, wasn't in practice. You know, what was that? What was the reasoning for that? It's hard to really pinpoint what it is exactly. I think it's a group effect where, you know, we had time to reflect for those 2 weeks at home, and we come back. We know what we want to work on, so we work on those things, and then we forget what made our team, what the basis of the team are. And so that made us lose focus in practice because it got us tilted pretty much when we were working on some things, but we can't get the basics right. And so it shifts our focus and we are thinking that we're very stupid to lose the basis and not being able to work off of that. So we tried to do that and to come back, especially in the last two best of threes that we played. And it went decent, but if we want to go further, obviously we need to step up because our level right now is just completely average and we can't stand by that. Then based upon what you just said, in the little bit of time that you have before that next stage starts, you know, what is the focus going to be? You know, what do you need to work on? Where do you start? Maybe we need to actually fight one another and get all the anger out and get all of that out, that excitement, that energy, whether it is good or bad. I think we just need to get a lot of that out because it's really taking a toll on our team, although it's the first tournament of the second part of the season, which is going to be a very long and a lot of tournaments. So if we start off like this, it's going to be very tough for us to continue. So we need to find a solution to get that out and to move forward with it because I think we have the players, we have the gameplay. It's just a matter of once you have one direction and everybody wants to just go towards the same way, you know, it will work out and then everybody is going to start clicking together. And that's kind of what happened in some halves that we played. City Half Inferno, it was very clear what we were doing. Everything happened perfectly well and the results are showing. So it's sort of a matter of finding that pace throughout the maps, the sides, and then I'm quite confident that we can make it far. Yeah, I'm sure your fans are hoping to see that as well. But for now, congratulations once again. With that, Vitality has secured their spot at that Legend stage. NBK qui est revenu sur beaucoup, alors vraiment beaucoup de choses. On va essayer d'être le plus complet possible avec Vincent et Lambert. Mais notamment, il est revenu sur le fait que jouer contre des équipes CS, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait jamais sur quel playstyle on va tomber. Ils sont revenus sur les préparations où ils ont essayé de travailler des choses différentes, mais ils ont oublié un petit peu leur basique. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, revenir sur leur basique sur ces derniers BO3. C'était mieux, mais c'était encore un niveau assez moyen. Ils sont très très loin. Très très loin, c'est son constat de leur niveau, en tout cas sur lequel ils étaient avant le player break. Alors franchement, des thématiques qu'on connaît dans la scène française, qui sont un peu récurrentes, il y a vraiment des choses qui ont pop dans ma tête là.
Ça me fait penser aussi à G2, la première chose qu'il a dit, où ils sont allés en bootcamp, ils ont essayé de travailler sur ce qui allait mal sur la fin de saison. Donc c'est un peu des détails, en fait, entre guillemets, c'est de s'améliorer sur l'exceptionnel, entre guillemets, pour essayer de gratter leur première place contre Liquid. Et au final, ils ont trouvé qu'ils losaient du focus parce qu'ils oubliaient leurs bases, les basiques, et ils perdaient du focus dans les practices. Et au final, ça faisait une dynamique plutôt négative. Et du coup, ils s'énervaient, il y a des tensions, etc. La deuxième chose qui revient assez souvent, c'est il y a besoin de crever l'abcès, j'ai l'impression. Maintenant, je pense qu'on peut le dire, c'est que c'est pas le technique le problème chez Vitality à l'heure actuelle. Il l'a dit, ils ont les joueurs, ils ont le fond de jeu, ils ont le coach, ils ont l'analyste, ils ont le skill normalement. Là, ce qui va pas, c'est juste que ça clique pas ensemble. Donc au final, encore une fois, une thématique très française, il faut que tout ça sorte et qu'ils retrouvent une alchimie qu'ils avaient réussi à trouver en début de saison, mais qui a disparu. Et c'est marrant parce qu'au final, Vitality, est-ce que c'est l'équipe qui a le plus souffert du player break, la thématique que nous on avait donnée au tout début du Major? Bah, j'ai l'impression, en fait, parce qu'ils ont oublié en fait leur constante vitale, et Vitality, c'est un peu l'équipe en dents de scie pour l'instant. Lambert, finalement, c'est une histoire qui finit bien cette première phase du Major. Ils vont se retrouver en seconde phase du Major, comme l'Avantgarde qui s'est qualifié un peu plus tôt, comme Dream Eaters qui s'est qualifié aussi un peu plus tôt aujourd'hui. Qu'est-ce que va devoir changer Vitality et qu'est-ce qu'on doit attendre de Vitality avec ce niveau-là ou avec un meilleur niveau dans ce Major? Bah, j'espère un meilleur niveau, de toute façon. De toute façon, Vincent a bien résumé dans le fond le problème des Vitality. Ils ont un jour de break. Il va falloir, dans tous les cas, pas forcément refaire un jeu, pas forcément réinventer le monde, mais juste en fait se mettre d'accord, comme a dit Vincent, se trouver une alchimie et partir dans le même sens et de se dire que bah, peut-être ça va pas être leur meilleur major ou leur meilleur tournoi, mais faire le maximum pour qu'on, comme il a dit même NBK, cliquer dans le même sens, mais surtout voir la même vision de jeu, se dire que peut-être simplifier le jeu, mais jouer beaucoup plus ensemble. Et parce qu'au final, quand ils jouent correctement, ils dépassent complètement Greyhound. On a vu une deuxième carte qui était très compliquée, et au bout de la troisième, bon, c'est maîtrisé jusqu'à qu'ils prennent, je crois, 5-6 rondes d'affilée à la fin, mais faut que ça soit toujours comme ça. C'est un peu les G2, quand on voit leur faire un énorme side-city, derrière il leur manque un chouïa. J'ai l'impression qu'il manque plus à Vitality qu'il manque à G2. G2, je pense que c'était juste une question d'un petit déclic peut-être pour un side-city. Là, Vitality, c'est peut-être plus profond, donc de bien se poser pour la journée, bien réfléchir, bien se mettre d'accord et... Il y a un match en fait, c'est un BO1 qu'il faut minimum assurer. Je pense pas que c'est l'objectif pour Vitality aujourd'hui. Non, c'est les playoffs. Oui, mais le truc c'est qu'il faut pas oublier que mine de rien. Faut oublier. Je pense que c'est pas une question. Il faut oublier les playoffs, mais il faut oublier de se mettre dans l'optique où voilà, on vise la finale, on vise ouais. Le top 1. Je pense vraiment que là, ce qui pourrait leur faire défaut, mais à l'inverse, ce qui pourrait leur faire beaucoup de bien, c'est vraiment de prendre du plaisir et de jouer round par round, map après map. Et ça, je suis sûr et certain que ça va être discuté dans le futur, enfin demain pour Vitality, c'est se mettre d'accord et aller, encore une fois, je reprends une des thématiques dont Nathan a parlé, c'est aller dans la même direction. Ouais. Ça, c'est extrêmement important pour certains de ces joueurs. Il faut qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui ont besoin de sentir que tout le monde est sur à peu près la même page et ensuite il y a une harmonie qui se crée presque musicale in-game et après c'est ça qui fait que les mecs cliquent. Avec cette qualification, les Vitality avancent en deuxième semaine. Ça nous fait deux équipes françaises. Les premiers match-up, ça devrait être, on attend la confirmation qui devrait tomber, mais seulement selon la simulation de Hello, on devrait retrouver un North contre Vitality en ouverture. Objectif, remporter un BO1 pour les Vitality. Ça sera peut-être un peu plus dur pour les joueurs de G2 qui devraient rencontrer les Navi. Ça nous promet mercredi des très jolis match-up, Lambert. Les Français sont passés. C'était pas le scénario qu'on espérait, c'était poussif, c'était dur. On voyait, beaucoup de gens voient Vitality aller très loin dans ce tournoi, mais on en est encore très 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 loin. C'est dur, hein. Ça a été dur, ça a été l'escapade tout au long du Challenger Stage, mais le résultat y est, c'est la qualification. Pas de la meilleure des façons, comme on l'a dit avec Vincent, ça va être compliqué, mais je pense qu'il va falloir voir match par match et pas attendre. On peut très bien attendre une finale de Vitality, mais je pense qu'à leur place, il faut qu'ils voient match par match parce que pour l'instant, ça a l'air assez compliqué. Donc, juste qu'ils restent focus sur leur tournoi, qu'ils sortent pas forcément de ça, juste qu'ils se mettent bien dedans. Vincent a bien résumé dans le fond, se mettre dans la même ambiance, dans le même.
dans le même mood en fait, et juste qu'ils voient match par match. Se sont donc qualifiés pour la prochaine phase Vitality Avant-Garde, les joueurs de NRG, les joueurs de Crazy, les joueurs de North, les joueurs de Moose Sports, les joueurs de G2, et on retrouvera donc les Ninjas in Pyjamas, les Amy Bear, les Navi, les FaZe Clan, les Ents finalistes de Katowice, les Liquid, les numéro 1 mondiaux Renegades, légende à Katowice, les joueurs d'Astralis dans la prochaine phase du Major. Là on a quand même 16 belles équipes. J'ai envie de dire, il y a un petit regret. Pour avoir un plateau complet, il manque juste Furia et on aurait eu une piste aux étoiles. Non, finalement, non. La seule équipe qui me dérange un petit peu, c'est Avant-Garde. C'est Avant-Garde qui... Ouais. Bon, c'est un peu obtus de dire ça parce que c'est vrai qu'on les aime pas trop ici, mais c'est la seule équipe qui fait tâche, entre guillemets. Et en fait, un Simon aurait été... c'est horrible, hein, mais un Simon aurait eu plus de sens pour moi. Les voici les match-up à l'ouverture de ce Major la semaine prochaine, en tout cas mercredi, ce sera à partir de midi, Ents contre Avant-Garde, pré-show à 11h30, Astralis, Dream Eaters, ensuite Energy Renegades, Liquid, Crazy, très gros match d'entrée pour les Liquid, ça va être compliqué sur du B1 avec une équipe qui a déjà joué alors qu'on doit rentrer dans la compétition, Moose Sports contre FaZe Clan, là aussi, le Vitality North dont je vous parlais, Amy Bear et NIP, match de légende, et puis on finira sur un Navi G2 pour conclure une très très belle première journée. Là, tout de suite, il y a quand même beaucoup d'affiches qui font rêver. Moi, je vois ce Navi G2 en clôture de spectacle. Il n'y a pas que ça. Hein. T'as El Clasico, FaZe contre Mouse, Carrigan contre ses anciens teammates. J'aime G2 Navi qui se sont énormément joués aux USL Cologne, etc. J'aime le Liquid Crazy pour ma part. Et Liquid Crazy qui c'est marrant parce que c'est, on va dire, le top 1 d'il y a 3 mois contre l'équipe très très montante en Europe en ce moment. Donc, ouais, il y a des très 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 belles affiches. Il y a des storylines qu'on va bien sûr se poser avec les Ents qui vont lancer, changer après ce Major, Alexi B. On ne sait pas de quoi son avenir est fait et c'est le dernier, la dernière sortie ensemble avec ce 5. La motivation, la question de symbiose d'équipe seront en tout cas vraiment au cœur de la piste. Et puis surtout la vraie question, et je te la pose Happy avant de te libérer pour retourner t'entraîner avec Team LDLC et tester des nouveaux joueurs. Liquid, grand favori pour toi ? Oui, je pense que, on en avait déjà parlé, je pense que c'est eux qui vont être le moins affectés par le player break. Mais ce sera un bon test en fait, de jouer contre des mecs qui ont grindé pendant tout l'été et qui sont... Je veux dire, les mecs sont pumped up à bloc, quoi. Ils sont vraiment là pour aller le plus loin possible. Ça va donner une bonne température de la performance de Liquid sur le reste de ce Major. Ça peut aussi leur mettre une bonne gifle pour ensuite se remettre en question et reprendre leur règne, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que tu attends de cette deuxième phase du Major ? Alors pour Vitality, c'est pas du technique, comme je me répète encore une fois, c'est pas en rajoutant 10 heures de prac ou 100 heures d'ADM pour chacun de leurs joueurs que ça va changer. La discussion qu'ils vont avoir entre maintenant et le premier jour du vrai Major, ça va donner le ton en fait de toute la suite, quoi. Après, ce que j'attends, c'est est-ce que Vitality peut reprendre son statut de numéro 2, est-ce que Liquid va garder son statut numéro 1. Ents, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas trop. Astralis pas des masses, parce que comme on en avait parlé en off, je les vois vraiment rester dans un top 5-6. Tu ne vas pas remonter. Plutôt à vrai. Je ne les vois pas remonter maintenant. Même pas du tout. Et la dernière équipe que j'ai envie de voir... Navi ? Non. Mouze ? Non, ça ne m'excite même pas. Non, Mouze, ouais, je vais dire Mouze. Je ne vais pas dire Navi, parce que... Non, pas FaZe, non. Alors là, donc pas FaZe du tout. Je dirais Mouze. Je vois, parce qu'ils sont qualifiés en 3-0. C'est un peu la coqueluche de ce Major, pas North pour le coup. Donc très curieux de savoir comment Mouse va se développer. On attend enfin une grosse performance en fait de Mouse. Ok, bah, merci d'avoir passé ces 4 jours avec nous. C'était un plaisir de t'accueillir. Bonne reprise demain avec Team LDLC. Merci. Puis on espère te revoir pour la finale, peut-être, si c'est possible. De recroiser. On va croiser les doigts. Merci Lambert, petite pause demain, non, repos. Hein. Ouais. Bonne grosse journée de sommeil ou pas du tout ? De ouf. T'as hâte. On vous remercie, vous, de nous avoir suivis. Demain, on va faire une pause. Le warm-up, il sera décalé au 2 septembre entre les deux phases du Major. On a tous besoin ici de faire un break. Je voudrais remercier Titi qui a été à l'arrière de cette première phase du Major. Tous les casteurs qui sont venus caster. Bien sûr, ici, l'analyse desk. J'ai une pensée pour Valentine qui a fait un énorme taf derrière avec les assets graphiques. Et Annel aussi qui a animé les réseaux sociaux et qui a été aidé beaucoup sur la partie édito. On se donne rendez-vous mercredi à partir de 11h30 pour le pré-show. Et à midi pour la première rencontre de ce Major qui sera Ents contre Avant-Garde. La New Legend Stage revient mercredi. Bonne soirée à vous. Ciao.